Allez, bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Craft the World. Allez, on est reparti. Donc, la dernière fois, je sais plus où j'en étais, j'ai fait une petite pause. Ah oui, si, je vous avais montré comment on faisait des planches de façon manuelle, c'est-à-dire que là, pour le coup, il fallait utiliser un établi, qu'il a fallu que je construise à la main d'abord. Et donc là, une fois qu'on a fait l'établi, bah voilà, le charpentier s'en occupe, et il fait, voilà, on voit les planches qui tombent, il les fait. Alors, il faut que je me prépare, là ils sont en train de se ressourcer un peu parce que c'était vraiment la galère. Pourquoi il y a un... Ok, d'accord. Il y a un escargot chez moi. Alors, des cristaux, c'est intéressant les cristaux. Bon, là il y a des champignons. Tout simplement parce qu'on va avoir besoin de s'en servir pour réactiver le portail quand on le trouvera. Ouais, il faut le trouver déjà. Il n'y avait pas un truc comme quoi il y avait le portail par là? Bon, d'accord. Quoi? I'm under attack. Mais toi t'es toujours équipé d'un petit couteau de mer là. Il va falloir vraiment, vraiment que je m'occupe de ça. Allez hop. Voilà, ça y est. D'ailleurs, équipe. On va voir ça. Toi t'es équipé d'une arme, toi t'es équipé d'une arme. Toi t'es pas équipé du tout. Ouais, ça fait rien comme défense. Ah si, t'as un casque quand même. T'as quand même un casque. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, vous avez plus aucun ordre reçu. Craft Iron Axe. Ah bah voilà, on a enfin les outils en fer, mais il faut encore qu'on s'équipe un petit peu mieux de protection, parce que sinon ça va vraiment chier. Mais pour ça, le mieux... Ouais non, backpack. Bon bah allons-y, alors on va s'équiper. Il me faut pas mal de bois. Oh, j'ai rien, j'ai vraiment rien comme bois. Bon bah, ça fera que deux quoi. Par contre, est-ce que c'est... Ah non, ouais, c'est bien une armure. Où est mon Swarman, voilà. Ah bah toi, t'es... Zut, c'est des backpacks que j'ai fait. Ah merde. C'est des sacs à dos. On rapporte plus de trucs. Bon bah, voilà... Toi tu vas avoir un sac à dos. Ah bah on peut les mettre sur pour tout le monde. Oh bah nickel. Bon bah deux sacs à dos déjà. Mage, Space, Booth. Ouais c'est pas mal. Ouais d'accord. Donc j'ai fait des sacs à dos. C'est un peu inutile mais c'est pas grave. J'aurais dû faire des wood armor. Est-ce qu'il me reste une corde? Ouais si, il me reste une corde. Une feuille. Ah il me reste... Ah oh, zut, j'ai tout viré. On va essayer de le refaire. Je crois que je me souviens. Hop hop. Où est la corde? Voilà nickel. Il faut que l'équipe. Faut que l'équipe à n'importe qui, mais que j'équipe. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes tous équipés d'une arme? Au moins tous d'une arme. Bon, toi, il faut que je fasse des tools, parce que sinon ça va pas aller. Ah, il faut que vous ayez coupé du bois. Bon, par contre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive. Hein. Là, vous êtes ready, mais ça va être vraiment la grosse baston. Où est-ce que je pourrais couper du bois? Alors, attends, je vais juste fermer... Attendez, je vais juste fermer la porte ici. Use, voilà, ça y est, je l'ai fermé parce que il y a un petit zombie qui arrive. Faut que je trouve de la pierre et de l'arbre. De l'arbre, où est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres? Pas vraiment d'endroit où il y a beaucoup d'arbres en fait. Alors, toi tu me fais marrer, t'es en train de péter le truc. Ouais, d'accord. Alors. Que vous allez y arriver. Oh, toi tu te tires parce que t'es en... T'as plus beaucoup de PV. Ouais, ils sont tous en train de tirer parce qu'ils sont vraiment... Bon bah toi par contre t'es tranquille. Ah quoi que non. À lui tout seul quoi. Boum. Il est en train de tous se les faire là. Oh c'est un warrior. T'es qui toi? C'est Max. Oh bah Max dis donc... Oh t'as un super warrior de la mort qui tue hein, parce que là t'es en train de tout te les faire à toi tout seul. C'est assez impressionnant. Oui, low health. On va tirer à te remettre en forme juste un petit peu plus tard. Alors, on va faire un portail ici. Vous allez me péter ce mouton. Et vous allez me couper ce bois. Moi ça m'énerve qu'il se cale toujours les camps de gobelins à côté du grunge shop quoi. I'm under attack. D'accord, une petite pause. Mouton.
Il va plus y avoir de moutons rapidement. C'est pour avoir la laine, hein. Ça honnêtement, c'est très pratique. Il m'en faut. On va péter ces arbres aussi. Cet arbre-là, ça va être un peu compliqué. Bah, par contre, vous allez mettre 20 plombs, on va tout ramener. J'en ferai un deuxième quand ça sera terminé. Alors, qu'ai-je d'autre que d'autre à faire? Bah, faut que je descende tout simplement. Le mieux, ça serait de descendre un petit peu. On va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de descendre doucement. On va mettre un panneau ici. Vous avez déjà ramené un petit peu tout ce bordel. Je sais pas par quoi vous avez commencé. J'aurais dû attendre un peu. Parce qu'ils vont pas revenir avant un bout de temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais d'accord, vous creusez d'abord. Bien ce que je pensais. No way. J'ai reposé un panneau. Ah si, toi tu quand même tu récoltes ici, bah c'est pas mal. Intelligent ça. Là il y a de quoi aussi. Oh merde. Wow. Oh putain. Oh, voilà. Voilà, bon, un autre. Ah bah c'est, j'ai fait 30 arbres. Bon bah nickel. Un autre. Bah, je suis trop loin, mais là il y a quelque chose encore. Il y a un autre nid, ça m'embête pas mal. Du coup, je vais essayer de passer un petit peu loin parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut. Oh, un bouc. 1000 heures. Bon, d'accord. On va pouvoir augmenter son le bonus de notre 1000 heures. C'est toi, use. Voilà, 19. C'est pas mal. Ah, il y avait un autre 1000 heures. Alors, par contre, je crois que toi, voilà. Je t'ai trouvé une stone pickaxe. C'est plutôt pas mal. Alors. Quoi d'autre? Ok, toi c'est bon. Tu devrais rentrer parce que sinon tu vas te faire taper dessus. D'autres arbres, est-ce qu'il y a d'autres arbres? Un gros paquet d'arbres. Oh non, il n'y en a pas des masses. Hein. Toi tu dors, c'est bien parce que dans 14 minutes ils attaquent quoi. Pas longtemps, tiens d'ailleurs, ça fait combien de temps? 12 minutes. Ah, ça sera pour le prochain épisode. Normalement, l'attaque. Du coup, est-ce que je peux pas faire d'autres armures? Rope. Rope qui nécessite de la laine. Laine, est-ce que j'en ai? Ah, j'en ai 3, c'est nickel ça. Voilà, 15 rope, ça devrait aller. Alors, rope, leaves. Et est-ce que j'ai beaucoup de wood? Ouais, pas mal. Enfin, énormément. Boum, 8, comme ça je suis prêt pour les prochains. Alors, toi t'es bon. Toi t'es pas bon. Toi t'es bon. Toi t'es bon. Toi t'es bon. Et toi t'es bon. Bon, bah voilà. Si j'ai d'autres nains, ça va d'ailleurs pas tarder. Bah, je serai prêt. Du coup, faut quand même que je me... Ah bah voilà, level up. Donc là, je vais avoir de nouveaux nains. C'est pas trop tôt. Du coup, je vais devoir t'équiper, toi, le petit nouveau. Comment t'appelles-tu? Zirak. Zirak, voilà, t'es équipé. Ça va très bien. Simple Heart. Ok, d'accord. Donc du coup, il va falloir que je t'équipe en armes comme en armure. Non, c'est pas ça. Craft. En armes. Voilà, ça c'est déjà pas mal. En armure. C'est fait. Et après, il faut que je fasse tout ça. On va t'équiper en stone hein, en attendant. Il faudrait vraiment que je fasse ces outils en fer, mais il faut le blacksmithing. Alors ça c'est quoi? Ouais voilà, c'est bien ça. Je me demandais si j'avais pas oublié. Mais non, c'est bon. Alors, toi c'est le dernier qu'il faut que je prenne. Voilà, nickel. Ça c'est good. Hop, je vais faire un autre portail ici. Qu'on se batte, qu'on se bidule. Voilà. Et que je descende par là, histoire de voir. Hop, on va faire un truc comme ça. Je pense que ça devrait aller. Toi, tu t'es réveillé. Parce que je suis passé pas loin.
contre t'es vachement solide. Voilà, bon, bah, y a plein de nains dessus, bon laisse tomber, tu vas crever. L'autre qui mine derrière, tranquille pépère. Voilà, ça y est. Déchiré. Ah, il pleut. Alors, donc, il faut que je fasse... Smithy qui nécessite de l'eau, qui nécessite, pour être fait, un bucket, qui nécessite des planches et des clous. Ouais, il a demandé d'en faire trois d'un coup, bon ben, le charpentier va devoir revenir rapidement. Voilà, la forêt. Si, pourquoi pas en faire là. Tiens, voilà, on a utilisé de la magie. Couper les arbres. Donc, je récolte un peu le blé, tout ça. Hop, hop, hop. Donc toi, tu me fais des sauts. Non, ça, je suis under attack. Ah, d'accord. Bon, par contre, toi, tu me fais peur avec la flotte, là. Hein. Évidemment, hein. La flotte s'est mise exactement au bon endroit. J'espère que ça va partir vite. Putain, il a énormément plu pour que le trou il se remplisse aussi vite. Pas abusé ça, tiens. Alors, donc là, on a exploré toute cette partie-là. Eh ben dis donc. On n'est pas arrivé. Je refais un portail. Parce que là, on commence à aller bien loin. Alors... Alors comment... Ah d'accord, on peut passer. Peut-être rouvrir le truc. Bon bah voilà, farming. Je l'ai fait, tiens d'ailleurs, c'est quoi comme tâche que j'ai? Advanced Ironwork, c'est ce que je cherche. Advanced Ironwork, Collect Coal, Prepare Food. Ah oui, Prepare Food, ça va être important. Est-ce que j'ai débloqué au moins? Ah si, Basic Cooking. Je peux faire le Campfire. D'ailleurs, faudrait que j'en fasse un. On va en faire un. Même si j'ai pas beaucoup de bois. Un feu de camp. Toujours utile le feu de camp. D'ailleurs je pense que je vais le prendre. Faut que je le pose. Voilà, le feu de camp il est là. Ce sera pratique. Alors toi tu mines, tranquille pépère. Hop, on va miner un peu de coal aussi. Oula, toi t'as un peu de mal. On voit rien. Ah ouais, d'accord. C'est vachement sombre. Du coup... Bon, par contre, toi t'as plus beaucoup de PV, t'as intérêt à dormir. Sick Dwarf. Go rest. Voilà. Nickel. Il va dormir. Vous me faites peur quand même, vous les fourmis. Ah, collect coal, ça y est, c'est fait. Voilà, donc il nous reste tout ça. Prepare food. Confort moderate. Tu trouves, toi? Je trouve que j'ai fait un super boulot, au contraire. Du coup, ça restaure pas très très vite. Ça m'embête un peu, tout ça. En plus, il va falloir que je fasse... un étage supérieur. Il fait nuit. Il va falloir que je fasse un étage encore supérieur. Oh. J'ai trouvé un coin. Il est énorme. Il faut un sac à dos complet pour le prendre quoi. Est-ce que je suis assez près? Non, je suis trop loin. Il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier. Ouais, par contre là vous me faites peur à aller à venir sans portail. Alors, par où vont arriver les mobs? Là non, c'est pas là. Mais qu'il va y avoir des monstres. Alors toi ça t'éclate. Sauf qu'à rien. Toi t'éclates de creuser des trous mais sauf qu'à rien quoi. Qu'est-ce que tu fais toi? Finding way. T'es en train de me trouver une route pour aller creuser c'est ça? T'es pas arrivé mon gars hein.
Oh là là, c'est grave, c'est vraiment très très grave. Ils font vraiment peur. Ok. Donc vous, vous êtes bon. Il n'y a plus personne, c'est nickel. Ça m'évitera d'avoir des problèmes. Est-ce que là on peut mettre... Non, pas ça. Non, 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 non. Non, c'est too far. C'est trop loin. Bon, alors, suivant. Mais vous pouvez y aller, hein. Qu'est-ce qui leur empêche de passer, quoi? Tu peux pas y aller. Alors, vous me faites vraiment délirer, vous. Voilà, toi tu le fais, tranquillou. Alors, donc je disais, le blacksmithing. Hop, voilà, ça, à l'aide des seaux, je peux récupérer de l'eau. Oula! J'ai complètement zappé, mais il y a eux qui arrivent. Allez hop, vous êtes 7, ça devrait aller maintenant. Vous êtes bien équipés. Quoi qu'il reste encore le gros balourd. Non, il n'y a pas de gros balourd. Il y a un petit zombie, sauf que... Ouais, bon, bah, le zombie, la porte est ouverte. Toi, t'as plus beaucoup de vie, tu me fais peur. Alors, on va essayer d'attaquer. Fait peur, il n'y a plus beaucoup de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, donc voilà, smithy, ça y est, j'ai de l'eau. Du coal, de l'iron ore, voilà, et de la pierre. Voilà, ça y est. Du coup, smithy. Ah, d'accord. Il y a toi, il faudra te creuser. Dès qu'ils auront fini, par contre, pétez pas ma porte. J'en ai encore besoin. Low health. Comment ça, low health? T'es en train de dormir, mais dis pas que tu perds de la vie en dormant. Ah. Attendez, excusez-moi. Me revoilà. Excusez-moi, micro-coupure. Ouais, non, ça c'est bon. Là, ça va. Bon, allez, retournez bosser. C'est vrai que vous retourniez bosser. Tu vas te faire défoncer. Ça, c'est fait. Bon, j'aimerais que vous retourniez. Ça y est. Là, il y a plus de monstres. Ah, je veux juste voir ce qu'il y a ici. Ça y est, vous avez creusé. Du coup, je peux poser mon bidule. Ah ben non, je peux pas. Remove torch. Y a quelqu'un qui creuse en bas là? Ouais, si, y a quelqu'un. Allez. Ça fait vraiment peur d'avoir un si petit espace. Je suis en train de me défoncer la mana. Mais ça explore bien plus rapidement. Oh oh! Oh oh oh! Par là, je pense qu'il y a quelque chose. Bon après c'est super profond. Je pense que par là il y a quelque chose. C'est où? Ouais c'est par là. Du coup le mieux ça serait de revenir ici. Ouais toi t'as peur à cause de la lumière. Le mieux ça c'est de revenir. Là il y a des minéraux que je connais pas. Ah non c'est du fer. Donc on a dit par ici hein. Ça serait de revenir par là. Et de commencer à creuser tout simplement. Voilà. C'est parti. Hop, on va poser ça là. Poser une torche ici. Toi, t'aimes bien te foutre dehors la lampe, on dirait que tu élimines tout. Alors, donc, basic cooking. Ah oui, bah voilà, je peux faire de la nourriture. Ah, mais il me manque des feuilles. Alors, la nourriture, c'est important parce que ça permet de régénérer la vie beaucoup plus rapidement que en dormant. Mais c'est un petit peu casse-pied à mettre en place parce qu'il faut toujours avoir un stock, c'est assez casse-pied. Mais je pense que ça va être l'objet d'un prochain épisode. Ah bah oui. Ça y est, ça fait une vingtaine de minutes. Et je pense qu'au prochain épisode, on va surtout se taper la big attaque de monstres. Pour ça, il va falloir être prêt. Il va falloir vraiment être prêt.
Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et à la prochaine. Salut à tous !